Bonjour à tous et bienvenue dans Pas trop incognito. Aujourd'hui, je vais aller dans l'entreprise Maison Grise où j'ai mes propres employés et je vais vérifier leur niveau de sérieux, leur niveau de travail. Évidemment, pour ça, je vais être incognito. Je m'appellerai Timothée, je suis un stagiaire de 3e et pour être incognito, rien de tel qu'un petit déguisement. Voilà, donc là, je suis Pierre, le patron, et là, je suis Timothée, stagiaire de 3e. On va rentrer dans l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Timothée, le nouveau stagiaire. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Savez-vous que je vais passer la journée? Bah ouais, toute la journée, ouais, c'est ça. Très bien. Je peux commencer peut-être une première mission? Tu peux aller voir la prod dans le chapiteau dehors. D'accord, eh ben, je vais aller me présenter. Vas-y. Merci. Bonjour. Bonjour, je suis Timothée. Enchanté. Salut Timothée. Bah, je suis en stage d'observation, on m'a dit de venir vous filer un petit coup de main sur la préparation, donc c'est ça, c'est l'équipe... L'équipe production. C'est ça. On est en train de préparer un décor pour la prochaine vidéo. Très bien. Est-ce que tu veux nous aider? Bien sûr, avec plaisir. Moi je veux bien mettre la main à la pâte. Eh ben écoute, faut qu'on peigne cette planche comme celle-ci, tu vois. Donc là j'y vais, je peins. Vas-y, faut que tu peignes tout. Non mais allez-y, hein, faites avancer, hein, moi je veux pas vous ralentir non plus. Hein. Ouais. Je peux voir un petit peu comment vous faites? Hop. De bas en haut. Et vous travaillez toujours aussi lentement ou parfois c'est un peu plus rapide? C'est pas très gentil ça, Timothée. Vous avez besoin d'être deux pour... Pour peindre une planche. Pour peindre une planche. D'accord. Thomas, tu veux montrer aussi? Oui, allez. Chacun y va. On se relaie parce que sinon c'est un peu fatigant. D'accord, donc là vous êtes épuisé. Ouais, bah on a commencé tôt aussi. Hein. D'accord. On commence à quelle heure d'ailleurs, ici dans cette entreprise? En vrai, ça dépend des jours. Hein. On a des jours plus chargés que d'autres. 9h30. Ah d'accord. Tu veux reprendre? Ouais, je vais reprendre, hein, merci. Ah bah en tout cas, c'est un métier que je découvre, hein, ça a l'air intense. Hein. C'est intense, non mais ouais. Si. Voilà, j'ai fini. Non, il reste encore plein là. Effectivement. Et vous faites quoi après vous? Nous après on va faire des trous dans les petites boîtes. Non, après le boulot, vous faites quoi? Vous buvez des bières? Ça arrive après le taf, ouais. Ah ouais? Vous sortez beaucoup Non, on travaille beaucoup en surtout. En dehors du travail? Ouais. Quand les patrons sont pas là, vous sortez beaucoup? Un quartier assez calme ici, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. Ouais. Mais des fois, vous vous retrouvez quand même un peu en dehors du travail. Oui, pour parler boulot souvent. Combien de fois par semaine? Réunion, hein. Peut-être 3, 4. 3-4 fois par semaine? Ah, il faut qu'on se dépêche parce que là, on doit avoir terminé ça pour dans 10 minutes. D'accord. Tout est fini, c'est fini. Voilà. Bah, c'est bien. Merci. Bravo. Bon, là, c'est pas. Ouais, mais ça. Tu veux pas faire de la production plus tard, Timothée? Non, mais ça, c'est au montage que ça se fait après. Ah. Eux, ils peuvent finir au montage. Est-ce que je peux aller voir d'autres personnes de l'équipe peut-être? Bien évidemment. Tu peux aller voir Fanny, peut-être, qui s'occupe du pôle business. Ouais. Très bien, je vais trouver Fanny, j'y vais. Eh ben, tu prends la porte qui est juste là. Tu l'ouvres, quoi. D'accord, parce que comme votre taf, c'est... Ok, ouais. Merci, Timothée. Merci à vous, hein. À bientôt. J'ai les informations qu'il me faut. Allez, on va voir Fanny. Alors... Ah bah, je découvre aussi l'endroit, c'est magnifique, hein. C'est la place. Bonjour. Je suis Timothée, stagiaire de 3e. Vous travaillez bien? Bonjour Timothée. Bonjour. Très bien, bonjour. Je cherche Fanny. Elle est à côté là. D'accord, elle ressemble à quoi? C'est une blonde un peu châtain, du coup pas blonde. Châtain. D'accord. J'ai jamais vu, je sais pas à quoi elle ressemble. Oui. Bonjour Fanny. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me dites quelque chose, c'est pour ça, mais... Je suis Timothée, stagiaire en 3e. Bah ok, enchanté. On m'a dit que je pouvais apprendre un petit peu les rudiments du placement de produits, de l'opération commerciale. Oui, bah ça tombe bien, on en a une aujourd'hui, donc... Très bien. Bah, je vais peut-être vous en parler un petit peu. Je peux m'installer, hein. On va parler de RhinoShield. Je sais pas si ça te... Je peux tutoyer, Timothée? Ah oui, moi je suis en 3e, hein, donc vous pouvez me tutoyer, Fanny. Vous faites... Enfin, tu fais un petit peu plus vieux. Ok, donc du coup, RhinoShield. D'abord, ils ont des nouvelles collections qui vont s'afficher au montage. Ça s'appelle la surimpression. Donc là, vous faites avec le montage, vous rajoutez des informations. On rajoute des informations. Et ils ont notamment une nouvelle collection Disney Princess avec plein de beaux designs qui s'affichent juste ici. D'accord. Et une nouvelle collection Mohamed Ali également. Ouais, c'est le combattant. Oui, c'est lui. Combattant légendaire, oui. Oui, voilà, c'est lui. Donc il y a de nouvelles collections et il y a des collections déjà existantes mais qui ont des nouveaux designs. Donc là, on va faire ce Et vous, quand vous faites des contrats comme ça, c'est vous qui touchez l'argent en direct? Bah, pas moi, du coup. Moi, je suis juste commercial, hein, donc. D'accord.
Et vous touchez combien? C'est pas une question très appropriée, ça, Timothée, on en parlera peut-être plus tard. Quand il n'y a pas de caméra, par exemple, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, du coup, il y a des nouveaux designs de collections qui sont déjà existantes. Par exemple, des nouveaux designs de chez Marvel, de la collection Marvel. Je connais très bien Marvel. Les nouveaux designs, ils s'affichent juste là, de Marvel. Et il y a aussi des nouveaux designs de la collection Attaque des Titans. C'est par virement ou en liquide? Timothée, c'est pas le sujet actuellement. Non. Tu restes combien de temps ici déjà? C'est juste pour poser la question, juste pour savoir. Je reste une journée, je suis en stage d'observation. Mais tu m'es très familier, Timothée, tu me dis quelque chose. Ah bah tu dois... Pardon. Vous devez peut-être avoir un cousin ou un neveu qui me ressemble. Donc, RhinoShield, il n'y a pas que des coques de téléphone, il y a aussi des protections d'écran, des protections pour le dos du smartphone, des protections d'objectifs. Et il y a aussi des boutons qui sont interchangeables. Tu vois, là, il y a plein de boutons, un petit peu toutes les couleurs. Je peux le prendre en main, peut-être? Ouais, bien sûr, bien sûr. Fais attention, par contre, à pas... Plan de réinsertion, allons-y. Non, c'est toujours pas ça, Timothée. C'est beau, hein? Voilà, c'est bon. En tout cas, j'ai présenté les produits en plan de réinsertion. C'est bon, les gens ont bien vu. Les plans d'insertion sont encore pas faits, mais oui, d'accord. Du coup, quand on parle de RhinoShield en général, on a un petit code promo pour les abonnés. Moins 90% non, avec le code... Non, c'est non. Pas ça, Timothée. C'est moins 10% pendant 48 heures avec le code VLOGOS. Ça s'affiche juste là. D'accord. T'as des questions, Timothée? Non, c'est très bien. J'ai appris plein de choses. Les briefs clients et tout ce qui est plan de réinsertion. C'est toujours pas le bon terme. Ok, je sais pas si t'as des questions, mais... Non, j'ai appris déjà plein de choses. Est-ce que vous savez vers qui je dois aller maintenant pour compléter ma journée de stagiaire de 3e? Là, je pense qu'il faut que t'ailles voir Luga, il est en pleine préparation pour une petite vidéo, c'est peut-être pas mal. Ah ça m'intéresse beaucoup ça. J'adore les vidéos YouTube. D'accord, c'est parfait alors, je te laisse y aller du coup. Bonne journée Timothée. C'est où? Ah c'est... Il faut sortir. D'accord. C'est-à-dire que là... Je sors. Ouais, voilà. Merci, Timothée. Hein. Ah, je suis vraiment explosé le pied. Ça doit être ici. Ouais. Lucas, je le connais, j'ai déjà vu en vidéo. Ah, Lucas! Bonjour! Bonjour, je suis Timothée. Ah, le stagiaire? Timothée. Ouais, c'est ça. Je suis stagiaire en 3e. Ok, bienvenue. Enchanté. Ouais, salut. Enchanté. Là, on fait une petite revue avec PA. D'accord. Donc, PA qui travaille aussi souvent avec moi et tout pour des idées, des trucs comme ça. D'accord. On écrit les prochaines vidéos. Ah, c'est super intéressant ça. Moi, je regarde beaucoup. Beaucoup YouTube, ouais. Tu as un peu ma chaîne, des trucs comme ça aussi? Ouais, j'ai vu votre chaîne, Lucas, et j'adore ce que vous faites. Ouais. T'es fan de Maison Grise? Ouais, j'aime bien Maison Grise, ouais, j'aime bien YouTube de manière générale. Et, La chaîne La Maison, tu regardes tout? Ouais, la chaîne La Maison, je regarde. Évidemment, Pierre Cross, qui était le premier nom de La Maison. Ouais. Et du coup, toi, t'as commencé un peu avec Pierre, c'est ça? Bah, moi, j'ai commencé, je l'avais rejoint, mais parce que j'avais besoin un peu de visibilité, trucs comme ça. Tu trouves pas que ça vieillit? Moi, je trouve ça vieillit un peu, non, l'humour de Pierre Cross, Bonjour America et tout, ça vieillit. Non bah avant, pendant les vidéos par jour, c'était vraiment drôle. Mais c'était il y a 5 ans. Ouais, c'était il y a 5 ans, ouais. Il y a 5 ans, franchement, j'ai... Le problème, c'est le côté jeu de mots, machin, c'est un peu tonton, tu vois. Ah oui, c'est drôle, mais tu sais, tu rigoles pas vraiment, tu sais, ça te fait souffler du nez, tu dis... Comme les messages quand tu dis lol, mais en fait, tu rigoles. Voilà, c'est un peu ça, le MDR, alors que personne rigole, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ça, le jeu de mots, c'est tu dis, ok, bon, c'est son délire, tu vois, on accepte. Et nous, franchement, on était un peu imprégnés là-dedans, mais c'est pas ce qui nous fait rire le plus, tu vois. Enfin, avec PA, on est plus, je sais pas, humour de notre âge, tu vois. Bah, ça se ressent plus, nous, on est plus proche des gens de 17 que de 35, ouais, quoi. Ouais, par exemple, toi, tu me fais trop marrer. Ah bah tu vois, merci, c'est cool. Mais tiens, le problème du patron, un peu, je trouve, c'est ce côté 35 ans, je sais même plus quel âge il a, 35 ans, mais je l'assume pas trop, tu vois. 36 ans, non. 36, ouais, bah... Ah, ça, c'est un vrai fan, hein. On fait souvent les trucs avec Pierre, et surtout, moi, je fais deux types de rues, je t'explique un peu comment ça se passe à Maison Grise. C'est, je fais à la fois les trucs avec Pierre, mais avec Pierre, du coup, c'est beaucoup plus proche, un peu, de... Lui, Pierre, quand il... Des fois, il reçoit des cadeaux, j'ai vu, par des marques. Ouais, ça arrive. Et genre vous servez avant qu'il arrive qu'il ait vu le colis quoi. Bah, c'est ça. En fait ça dépend ce que c'est dedans, mais des fois c'est à manger et tout. Là oui on prend tout. Ah, quoi. Bah, oui, enfin, on lui dit même pas qu'il reçoit ce genre de colis. Je vais aller voir un peu le reste de l'équipe. T'as vu quelqu'un en technique un peu le cadrage, tout ça? Cadrage, non, j'ai pas vu. Bah va voir Agathe. Ok. Ouais. Tout ce qui est de caméra, les trucs, les drones, les trucs comme ça, c'est. Ok ça. Je vais voir Agathe. Ok. Allez, en tout cas j'espère que ça te plaît. Hein. Yes. Vas-y. Salut. Tac, bon Agathe, elle est là-bas. Allez go. Agathe, elle est dans le parc, en fait. Je sais ce qui se passe. Agathe, elle est en formation drone toute la semaine. En fait, hier, j'étais au bureau, elle disait qu'elle était en formation drone dans le parc. Elle apprend à bien guider un drone. J'ai l'impression que le subterfuge fonctionne. J'apprends 2-3 choses sur moi, c'est intéressant, mais on va aller un petit peu plus loin. Oh, transformation, Timothée.
Allez là. Bonjour Agathe, c'est Timothée. Bonjour, enchanté. Stagiaire de 3ème. Ah, pas du tout. Super. Je sais pas si on vous a tenu au courant que je venais, Agathe. Non, pas du tout. Bah là, moi, je suis en formation drone. D'accord. En gros, là, je vois s'il tient bien à la chaleur. Du coup, bah, je me pose là avec le drone et je regarde s'il tient à la chaleur. Donc là, votre but, Agathe, je vous vois. Ouais, bien sûr. C'est de rester là. Ouais. Toutes les après-midi depuis le début de la semaine. Bah, ça fait à peu près 2 semaines, mais ouais. 2 semaines. Ouais. Avec le drone au soleil. Bah la dernière fois, il pleuvait. Du coup, je l'ai testé sous la pluie, mais j'ai testé dans le bar en bas. Sinon, ouais, c'est ça à peu près. Et je teste s'il vole bien. Genre, et je fais comme ça. D'accord. Et parfois je cours avec pour voir s'il a un peu la vitesse et tout. Mais non, c'est cool hein. Donc là, tu veux courir avec? Vas-y. Ouais, j'ai. Vas-y, cours là, vas-y. Un peu plus vite. Tourne sur toi-même, tourne. Voilà, là, ok. Là, tu sens ou pas? Oui, il peut, mais il n'y a pas des moteurs. Si, mais c'est pas utile. Enfin, ça... Donc, Agathe, vous êtes. Ouais, moi, ça fait longtemps que je fais ça, ouais. Ouais, mais on sait jamais en vrai. Mais après, comme ça, je fais des documents. J'avais fait d'autres stages en entreprise, ça s'appelle pas une pause ça? Non, parce que ma pause d'âge, je la prends avant. Vous savez le faire décoller, Agathe? Ouais, bah tu... Là, voilà, là il bouge. Enfin, il bouge un peu trop vite. Ah, attends, hein, je... Ouais, là, il recule. Attends, ah, il m'attaque. Attends, je crois qu'il est en mode sport pour ça. Attends. Ouais, là, c'est pas mal. Voilà, et là, c'est mon pote. Après, il aime bien. Voilà, tu vois, parfois, il... Là c'est normal, là ce qu'il fait c'est pour voir si le bois il était dur, parce qu'on teste ce bois pour une vidéo. Mais voilà, du coup tiens. Non, c'est intéressant. Et tiens, je t'offre ça. C'est intéressant Agathe, on serait bien peut-être qu'on se voit tous. Ouais. Là, tous ceux que j'ai vus. Ouais si tu veux, moi je suis chaud. Ça dérange pas, on se voit tous. Regarde et tu vois là. En salle de réunion. Je peux vous laisser appeler les autres, dire qu'on se voit en salle de réunion? Ok. Je dis un petit mot pour le... Ouais bien sûr. Leur portage. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et là je vais devoir leur révéler que je suis en fait... Pierre, ils vont faire une drôle de tête parce qu'en fait je me rends compte qu'ils font n'importe quoi. Agathe elle bosse pas, Lucas il me pique des vêtements. C'est parti, ça va, à mon avis ça va les surprendre. Patron incognito, incognito, ils font de la merde en fait. Bon bah merci de l'accueil pour ce stage de 3ème. Bah avec plaisir. T'as bien aimé? Ouais. Ça t'a plu? Il hein y a rien qui vous a choqué? Je ressemble même pas un peu à quelqu'un que vous connaissez dans cette entreprise? Mon pote Mathias de... je sais pas dire. Bah il est pas dans l'entreprise Mathias, ouais. L'entreprise non, bah non. Ok, je vais y aller étape par étape. Beaux yeux. Ouais, c'est... Beaux yeux, ouais, beaux yeux bleus. Attention, ça va vous surprendre. Aïe! Ah! C'est moi le patron. Vous êtes dans Patron Incognito. Il y a des caméras? Mais oui. Oh putain! Je suis Pierre et je vous ai surpris toute la journée. J'ai vu Jordi en train de pas trop travailler. Non. J'ai appris que vous faisiez des soirées 4 fois par semaine, vous sortiez 4 fois par semaine. Ah ouais? Et en plus de ça, sans moi, j'apprends quoi? Que... Les colis. Vous interceptez les colis pour prendre les chocolats et les pulls. Quoi? Non. Ça c'est eux. Et Agathe, oui. Vous savez ce qu'elle fait? Deux heures de formation drone par jour. Elle a jamais fait décoller. Elle a fait décoller 5 minutes, il s'est pris un arbre. Et en vrai, tu formes qui? Bah moi. Ah, okay. Oui, c'était pour bien le recevoir. Mais oui. Ouais, c'était des délires. On s'est reconnu. C'était pour lui vendre du rêve. Les beaux yeux. C'était des délires parce que vous m'aviez reconnu. Le pull, c'est pas, tu l'as pas volé dans mes colis? Mais non, mais sans collant. Les chocobons et tout, c'est genre, c'est moi qui les achète en plus. Mais du coup, je te mets à Timothée. Ouais. Timothée. Ah ouais. Sympa. Pierre. Sympa. Ouais. Ouais. Là aussi. D'accord. Ah, je me suis fait avoir, moi. Ouais, ouais. C'est nous qui t'avons piégé, en fait. Oui. Bah, en fait, Morgane, on lui a dit de filmer. Ouais. Ah ouais. Et oui. Tu fais partie du truc depuis le... Eh ouais. D'accord. Wow. Je me sens... Et du coup, tu vas revenir au bureau de temps en temps? Bah ouais, tous les jours. Ah. Ah, ça, c'était pas la... C'est pas pour la vidéo ça. Et Timothée on le reverra plus. Parce qu'en vrai il avait l'air vraiment cool comme gars. Il était intéressé. C'est un peu le petit frère que j'ai jamais vu, je te dis. Eh ben merci la team, ça me fait plaisir. Bah avec plaisir Pierre. Ouais, merci à toi Pierre. C'était une super vidéo de... On est sur la chaîne de la maison ça ouais. Je sais plus en fait, je sais plus tellement il y a des pranks sur cette chaîne. C'était vraiment avec RhinoShield. Bien sûr les gars. D'accord, il y a vraiment le code promo 10% avec le code Blogos pendant 48 heures. Ça c'est pas un prank. En description. Ça c'est pas un prank. D'accord. Quelqu'un veut essayer d'être Timothée? Ah vas-y. Pierre, vas-y. Oh, Pierre. Oh, mais... Putain. Attends. Timothée. Mais non. Timothée. Attends, même de profil. Oh, ah, c'est Timothée. C'est Timothée. Oh là là. Tu veux essayer d'être Timothée? Allez, fin de vidéo, c'est bon.